janvier 2018. C'est un peu moins qu'en 2016 et heureusement moins que les 8,62 mètres enregistrés en 1910. Je ne reviendrai pas sur les conséquences d'une crue centennale dont on sait qu'elle est, les experts disent qu'elle est certaine. L'OCDE a déjà évoqué des coûts de 30 milliards d'euros, près de 400 000 emplois détruits, 58,5 milliards d'euros d'impact sur le PIB français sur 5 ans. Et l'excellent documentaire Paris sous les eaux évoque pour sa part des coupures d'électricité de plusieurs semaines et un retour à la normale qui ne pourrait intervenir que 5 ans après la crue. Face à cette menace, la ville et ses partenaires ont développé plusieurs outils palliatifs, le plan Orsec, le plan Neptune ou encore l'exercice EU-Sequana. Mais qu'en est-il du préventif ? Un projet existe depuis le début des années 2000, mais n'a aujourd'hui toujours pas été mis en œuvre. Le projet de la Bassée prévoit en effet de construire 10 casiers au sud-est de Paris afin de stocker 55 millions de mètres cubes d'eau, le tout pour un coût estimé en 2009 à environ 500 millions d'euros, comparé avec le coût que nous coûterait une crue centennale. Grâce à ce cinquième réservoir, qui viendrait compléter les 4 déjà existants, une crue de type centennale pourrait voir son niveau baisser de 20 à 60 cm. Si cela paraît peu, ce sont justement ces quelques centimètres qui pourraient faire la différence entre un événement aux conséquences maîtrisées et un phénomène ingérable. Or, si le projet dans son ensemble apparaît toujours dans le programme d'action de prévention des inondations de la Seine-et-Marne francilienne, il n'est pour l'instant question concrètement que de réaliser un projet pilote, soit un seul et unique casier dont les travaux ne débuteront pas avant 2021. Le département de Paris n'a pas joué le rôle qui aurait dû être le sien par le passé en n'accompagnant pas suffisamment ce projet des grandes barrages sur la Seine dont il était membre. Cependant, notre collectivité n'est pas la seule concernée par ce projet. L'État, les départements, la région et aujourd'hui la métropole, suite aux lois MAPTAM et NOTRe de 2014 et 2015, doivent travailler de concert pour le voir aboutir. Mais que de temps perdu ! Bientôt 20 ans que le projet est dans les cartons. Avec un peu de volonté politique, il aurait pu déjà être opérationnel et nous permettre d'envisager beaucoup plus sereinement les futurs épisodes du cru de la Seine. J'ajoute enfin que vous évoquez il y a 2 ans, à l'occasion de la crue de 2016, le lancement d'études en parallèle, notamment sur les alternatives possibles au projet de la Bassée. Le projet de la Bassée, tel que défini dans le papy Seine-et-Marne francilienne, est-il aujourd'hui toujours réalisable? Quand verra-t-il le jour? Quel est le résultat des études que vous nous annonciez il y a 2 ans sur les alternatives possibles? Et enfin, surtout, que comptez-vous faire pour que la ville de Paris devienne enfin un acteur majeur de ce dossier? Eh bien, Madame Célia Bloel va vous répondre, actrice majeure de ce dossier. Merci, Madame la maire. Nous sommes d'ailleurs au sein de ce conseil un certain nombre d'acteurs, actrices, majeur, je ne sais pas, mais en tout cas très présent sur le dossier. Je pense à François Vauglin, Pierre Auriacombe, qui avec moi et d'autres, mais qui siègent effectivement au syndicat Seine-Grand-Lac et qui sont absolument au fait de ce dossier et qui y défendent la position parisienne, mais aussi en lien avec les autres territoires qui sont parties prenantes à l'EPTB Seine-Grand-Lac. Peut-être pour revenir sur le contexte global. Oui, effectivement, la ville a connu un nouvel épisode de crue. Cet épisode de crue, on va dire entre guillemets, plus classique que celui qu'on avait pu connaître en 2016, puisque c'est une crue des affluents de la Seine, de l'Yonne et puis de la Marne qui, effectivement, sont dues à des pluies extrêmement violentes. Il faut noter quand même qu'on a eu en ce mois de janvier des pluies plus 100% de pluie par rapport aux normales saisonnières. C'est un peu le point météo de mon intervention, mais qui n'est pas tout à fait anodin dans le contexte actuel. Et comme vous l'avez dit, cela n'a rien à voir avec une crue du type 1910. Et pour autant, c'est mis en lumière notamment par différentes études sur les effets du dérèglement climatique. Nous pourrions craindre un jour de revoir à Paris une crue de l'ampleur de celle de 1910. Et comme vous l'avez dit, l'étude de l'OCDE marque très bien quels pourraient être les impacts d'un tel événement. Ce reportage que vous avez cité, pour ceux qui veulent éventuellement le regarder, montre effectivement la fragilité de la ville moderne face à la montée des eaux, car notamment nombre de nos réseaux sont aujourd'hui transport, assainissement, électricité, chauffage en souterrain, et il y aurait d'importants impacts sur la ville. Fort heureusement, nous n'en sommes pas là aujourd'hui. Durant cet épisode de crue, nous avons fait activer, en lien avec les territoires évidemment concernés, tous les dispositifs
de protection de la ville. Je pense notamment effectivement à ces grands lacs réservoirs que vous avez cités qui ont joué leur rôle, puisque nous avons stocké durant cet épisode près de 400 millions de mètres cubes d'eau, ce qui a permis de faire baisser le niveau de la Seine à Paris au plus fort de la crise de 85 cm. C'était le 2 février dernier. Et ces dispositifs de protection qui, je pense que c'est important de le rappeler, permettent de protéger Paris, mais aussi tous les territoires en amont, et notamment les villes de Troyes et Saint-Dizier, qui sont les premières villes protégées par ces grands lacs. Cet épisode permet en effet de faire écho au travail engagé sur notre politique de prévention des crues qui repose, si je devais le résumer rapidement, sur deux piliers, et j'insisterai là-dessus. Premier pilier qui sont effectivement la question des grandes infrastructures. Les grands lacs ont joué un grand rôle face à cet événement. Et d'ailleurs, depuis l'épisode de 2016, on a fortement travaillé sur ces questions-là, puisque 2016, les Grands Lacs ont fait déjà, nous avons fait une révolution sur la gouvernance pour enfin intégrer les territoires en amont et faciliter le travail sur la question notamment du projet de la Bassée. Et ce syndicat des Grands Lacs qui a confirmé le travail sur le projet de la Bassée, puisqu'effectivement, il y a une série d'études qui sont en cours. Les études d'impact environnemental ont eu lieu. Nous sommes en ce moment sur la phase dite de reconnaissance préalable et établissement de l'état initial, avec tout un travail sur état écologique, état des nappes souterraines, pour avancer sur ce sujet des Grands Lacs et pour la réalisation, comme vous l'avez dit, d'un premier casier, dont le premier coup de pelle ou de pioche pourra avoir lieu en 2020-2021 pour un montant de 100 millions d'euros. Pour rappel, cette opération fait l'objet d'un cofinancement avec la région Île-de-France, et je rencontrerai dans quelques jours mon homologue vice-président de la région pour voir notamment si cette collectivité a évolué sur quelle part de financement elle prendra à ce grand projet, parce que la situation n'est pas tout à fait claire à cette heure. Et effectivement, il y a une évolution importante depuis 2016, puisque depuis le 1er janvier 2018, c'est la métropole du Grand Paris qui a pris la compétence GEMAPI, gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations, et qui, dans ce contexte, a un rôle majeur à tenir. Car si c'est bien le syndicat Seine-Grand-Lac qui va être maître d'ouvrage de cet équipement, c'est bien la métropole qui en sera le propriétaire et qui a la responsabilité de réunir le tour de table financier. Et se pose donc désormais la question, et j'en ai presque fini, Madame la maire, de lever la taxe GEMAPI. C'est un débat qui n'est pas du ressort de notre établissement, mais qui en tout cas devrait être fait avant le 15 février prochain, sinon on va à nouveau perdre un an, et ce qui n'est pas forcément d'actualité à l'heure actuelle au sein de la métropole. Je voudrais juste dire deux éléments pour terminer. Dire un élément important, c'est qu'il ne faut pas totalement fantasmer sur la Bassée, parce que c'est un équipement qui permettrait de réduire la crue à Paris, mais non pas de l'effacer. Et d'en terminer avec un sujet, faire le lien avec le climat. J'ai eu un entretien récemment avec les villes du C40. Sur 92 villes membres du C40 aujourd'hui, 49 d'entre elles, sur les 6 dernières années, ont connu des événements climatiques extrêmes qui font qui faussent totalement les statistiques telles qu'on les connaît aujourd'hui de par leur fréquence et par leurs ampleurs, ce qui nous appelle aussi de manière globale à accélérer la mise en œuvre de nos politiques climat, tant sur les questions d'adaptation que d'atténuation. Je vous remercie. Merci beaucoup, Célia Bloel. Je vais proposer à monsieur le représentant du préfet de police également de prendre la parole sur ce sujet. Merci, Madame la maire. Je vous présente tout d'abord, ainsi qu'à l'ensemble des membres du Conseil de Paris, les excuses du préfet de police qui, en tant qu'ancien préfet de Corse, participe actuellement aux commémorations du 20e anniversaire de l'assassinat du préfet Erignac. Deux mots peut-être en complément sur ce sujet. Le sujet du projet de la Bassée est plus spécifiquement suivi par la préfecture de région Île-de-France, à laquelle évidemment je transmettrai vos préoccupations, monsieur le conseiller. S'agissant de la préfecture de police qui a été amenée à gérer la crise et la crue récente, deux éléments, sans revenir sur les précisions apportées par madame Blowell, le phénomène est resté effectivement maîtrisé. La BSPP a réalisé 250 interventions en lien direct avec le phénomène de crue pendant les quelques jours qui ont précédé. Et Paris est resté relativement épargné, même si des difficultés ont été constatées, évidemment, dans les communes situées en aval et dans le reste de la région. Et puis, un deuxième élément pour mon intervention, c'est saluer la coopération entre les services de la ville, madame la maire, et les services de l'État, à travers les réunions de crise, le plan de régulation du trafic à l'intérieur de Paris qui a été mis en place. Les relations ont été fluides, les échanges ont été pertinents et efficaces, ce qui nous a permis de faire face à cette situation de la façon la moins difficile possible. Merci, et permettez-moi d'ajouter à la liste des remerciements, les remerciements à Colombe Bruxelles, qui a animé et qui anime encore la cellule de crise de l'hôtel de ville, à laquelle ont participé bien sûr tous les directeurs, les maires d'arrondissement qui étaient venus aussi, et je veux les remercier, leur service,
mais également tous les concessionnaires, puisque nous travaillons ensemble, je pense que avec vous, avec l'État, avec l'ensemble des autorités publiques, nous avons pu accompagner. Ce n'est pas encore terminé, ce phénomène de crue qui vient maintenant se doubler d'un phénomène de grand froid et de remontée des nappes phréatiques toujours extrêmement présentes et extrêmement pleines. Et donc, qui dit pleine dit... prête aussi à pouvoir se déverser. Donc nous suivons avec beaucoup, beaucoup de sérieux toutes les questions liées notamment au chauffage, bien sûr à l'alimentation en énergie de la ville, que ce soit des entreprises ou des particuliers. Mais je veux vraiment remercier l'ensemble des autorités. Je crois qu'on a progressé dans cette gestion de crise suite aussi à la crue de 2016. Et que bien évidemment, nous allons aussi faire un retour d'expérience sur ce qui vient de se passer. Monsieur Pozzo di Borgo, vous avez le dernier mot. Madame la maire, que se passera-t-il s'il y a une crue centennale avant les Jeux Olympiques de 2024 ou même l'année précédente? Si on se fie à la réponse dilatoire de votre adjointe, ça sera une catastrophe. Et moi, j'ai posé une question très concrète. On a l'impression que madame, votre adjointe, découvre le dossier. Ce dossier, ça fait 10-12 ans. Excusez-moi, ce n'est pas terminé. Ça fait 10-12 ans que ce dossier est réglé. Il y avait juste un problème de financement. Et la ville de Paris, avec les milliards qu'elle a dépensés, elle aurait pu mettre chaque année 40-50 milliards et le dossier aurait été réglé. Et là, vous me répondez de façon dilatoire sur ce qu'il faut faire, ce qu'on fait, des réunions et des commissions. Madame la maire, lorsqu'il y aura les Jeux Olympiques et qu'il y aura une crue centennale, votre successeur aura beaucoup de problèmes. Merci. Mais d'abord, parce que peut-être que vous n'avez pas compris ce qu'est une crue centennale. Ce n'est pas une crue qui vient tous les 100 ans. C'est une crue qui, chaque année, même plusieurs fois par an, peut se produire parce qu'elle est de l'ordre de ces très, très grandes crues. Donc, voilà, vous parlez des Jeux Olympiques. J'espère que nous n'aurons pas de crue centennale dans les années qui viennent, avant même les Jeux Olympiques, cher monsieur Pozzo di Borgo. Mais bon, moi, j'ai confiance dans le travail qu'on fait ensemble et en tous les cas, dans la capacité de nos équipes, services publics, entreprises, à travailler ensemble. Bien, question.